でも知ってる、まだやれんだって。だから叫ぶこの声枯れるまで。この世界は見えるものばかりで、怖いから自分自身を傷つけた。小さい闇の先に見えたもの、まっすぐに見据えたままで離さない。Tout le monde, c'est Nizo, comment ça va? J'espère que vous êtes très bien. On va se retrouver pour la prédiction des deux derniers scans de Naruto. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir, ça va être l'une des dernières prédictions sur ma chaîne, voilà. Donc prédiction du scan 699 et 700, voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les deux prochains scans seront accessibles donc mercredi. Donc mercredi là, on est quelle journée? Vendredi, mercredi là, ils seront accessibles. Il y aura deux chapitres pour conclure le manga, soit 44 pages exactement, voilà. Et donc, le scan 699 sera constitué de la première page en couleur, ainsi hein, le reste, voilà, normal. Et pour le chapitre 700, et ben ça va être un scan entièrement en couleur pour la fin de Naruto, voilà. Donc cette vidéo va être très courte, donc... voilà, c'est histoire de vous la publier, etc. Voilà. Puis à la fin, voilà, on va peut-être parler un peu pour ma chaîne, etc. Bon, on va commencer directement. Donc, on s'était quitté sur Naruto et Sasuke avec le bras pété. C'était un truc de malade. Oh, un truc de fou. Bon, voilà. On s'était quitté sur ça. Donc, maintenant, il y a eu beaucoup de questions. Donc, par exemple, sur ma dernière vidéo. Donc, je suis vraiment très heureux, franchement. Il y a 112 likes en un jour. Putain, c'est un truc de fou. Oh là là. Bref. Bon, il y a les rageux, mais moi, je vous aime, les rageux. Je vous aime. Non, plus sérieusement, on s'était laissé sur Naruto et Sasuke avec leurs bras coupés. Dans les commentaires de ma vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais comment ils vont faire ?» Dans The Last, on voit très bien avec des bras. Alors moi, je pense que la réponse est toute simple, c'est que ils vont faire un petit peu à la Obito, voilà. Ils vont faire un bras de Zetsu. Voilà, ça me semble un truc logique, voilà. Après, des personnes m'ont dit « Oui, mais il faut du temps et tout pour s'adapter à la main, etc. » Puis dans le nouveau trailer de The Last, on voit Naruto effectuer un Rasengan. Certes, mais peut-être que The Last... The Last, de toute façon, c'est dans le futur, les gars. Voilà, ok, c'est dans le futur. Donc, peut-être qu'il aura le temps de s'adapter jusque-là. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a un nouveau teaser sur le film The Last. Donc, d'ailleurs, la coupe de Naruto est vraiment très moche sur le trailer. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Et puis, on peut apercevoir, Naruto qui... Naruto, avec ses cheveux dégueulasses, qui effectue Rasengan, avec le méchant principal de l'histoire, qui est un Otsutsuki, donc du clan de Kaguya, voilà. Bon, je vais pas vous en dire plus non plus, je pense que voilà, vous avez eu ces informations, je vais pas trop m'attarder dessus, et je vais lancer la prédiction. Donc moi, ce que je pense, c'est que Sakura et Kakashi vont venir sur le champ de bataille, donc ils vont venir sur le champ de bataille, Sakura va peut-être faire les premiers soins pour Naruto et Sasuke, puis voilà. Ensuite, dès qu'ils seront mis sur pied, même si ça va être vraiment chaud, je sais pas comment elle va faire, même si elle fait des soins, etc. Peut-être un bandage, je ne sais pas, mais franchement, voilà, il faut que Naruto et Sasuke soient capables d'arrêter le Mugen Tsukuyomi. Voilà. Donc, Naruto et Sasuke vont arrêter le Mugen Tsukuyomi. Donc, voilà, ils vont l'arrêter. Et du coup, tous les villageois qui sont momifiés, en quelque sorte, vont être libérés. Et ensuite, voilà, il y a deux choses, ok. Donc, soit Sasuke... finit en déserteur, d'ailleurs ses habits ressemblent vraiment en déserteur dans The Last, soit il continue de rester avec Naruto, Sakura et Kakashi. Donc voilà, il y a deux chemins, après faut voir ce qu'on peut. Donc voilà, donc tous les villageois vont être sauvés, normalement, tous les villageois vont être sauvés, et puis je pense que pour ces 44 pages, voilà, il y aura un point de vue sur chacune des personnes, ils vont parler à Naruto, ils vont être contents puisque la guerre est finie. Ils vont être contents, ils vont crier, ils vont dire Naruto le sauveur, ouais, voilà. C'est ce qui va peut-être être mis de côté, ou alors s'il va partir, voilà, il sera plus là. On le reverra dans The Last. Donc ça va être ça, je pense. Voilà, pendant ces deux scans, ça va être ça. Bon, après, il y a beaucoup de questions qui se posent, Yamato, voilà. D'ailleurs, le pouvoir que Sasuke avait pour contre Hashirama, il avait donné, on n'a même pas encore eu... Franchement, la fin, elle a... Voilà. Je sais pas comment vous... Voilà, elle va être bâclée. La fin, elle est bâclée. Enfin, je pense qu'elle va être bâclée. Parce qu'il y a tellement de questions qu'on se pose. Voilà, qui forcément vont pas aboutir sur The Last. Enfin, sur ces 44 pages. Donc voilà, peut-être un retour à Konoha. Dans The Last aussi, ils ont les bandeaux frontales de Konoha. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus les 5 grandes nations. Enfin, les 5 grandes nations seront toujours présentes. Ils vont pas créer une grande nation, etc. Non, il y aura toujours les 5 grandes nations. Donc, nouveau truc aussi, Kakashi et Hokage, ça m'a fait rire. Les gars, vous avez vu le trailer, ça m'a fait rire, un truc de fou, surtout le moment où on voit Kakashi qui vient et tout avec son... avec son voilà, le chapeau, là, des Hokage. Ça m'a fait délire. Donc, voilà, pour... de toute façon, pour moi, c'était une certitude que Kakashi allait être Hokage avant Naruto. Mais c'est sûr à 100%. C'était obligatoire. Voilà, parce que Obito lui avait dit ça. Et je vois pas pourquoi Masashi aurait fait dire à Obito ça si... voilà, Kakashi ne serait pas Hokage. Donc cela aboutira par Kakashi en tant qu'Hokage, puisque Naruto est peut-être un peu trop jeune, je ne sais pas. Peut-être que dans les scans ils vont officialiser cela et mettre Kakashi en tant qu'Hokage. Donc sur les pendant The Last, ça va s'aboutir avec Kakashi Hokage. Et peut-être qu'à la fin de The Last, on aura Naruto Hokage avec je ne sais pas ce qui va arriver à Kakashi, peut-être une démission, alors peut-être qu'il va mourir, on ne sait pas. Voilà, il y a plein de chemins possibles. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Kakashi est Hokage. Bon, après, beaucoup de personnes se sont plaintes, mais bon, voilà. Après, franchement, je sais pas comment Naruto va devenir Hokage. Franchement, ça reste à voir. Franchement, je sais pas du tout comment ça va se passer. Parce que Naruto, dans tous les cas, qu'on soit tous d'accord, il va finir Hokage, à moins qu'il meure, et encore, voilà, c'est pas le but du manga. Le but du manga, c'est Naruto, il veut devenir Hokage pour se faire accepter des autres. Donc Naruto va forcément finir Hokage. Donc, voilà, donc... En même temps, cette prédiction, c'est un petit peu une prédiction sur la fin de Naruto, voilà. Pour conclure sur le manga, avec... peut-être conclure sur le manga. Mais ça se peut, franchement, ça se peut qu'il y ait une suite. Enfin, il y a moyen qu'il y ait une suite. Masashi peut faire une suite, mais franchement, je pense pas qu'il y ait une suite. En gros, il y a moyen d'exploiter le manga, mais voilà, je crois que Masashi va pas exploiter le manga encore plus, il va le boucler au plus vite, peut-être que celle-là, là, c'est... Il veut continuer son projet là, son projet qu'il avait appelé Naruto Mario, sorte de manga gangster, etc. Je ne comprends pas trop les délires. Après, les Japonais, c'est tout le temps ça, ils ont vraiment des délires chelous. Voilà, ils ont vraiment des délires chelous. Vous avez juste à regarder les mangas outre Naruto, ils ont des délires chelous. Voilà, donc voilà. Après, c'est tout pour la prédiction de ce scan. Donc, on va se retrouver. Mercredi pour la review de ces doubles scans, ces derniers scans, quoi, les gars. Voilà, donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, mais c'est pas fini parce que j'ai encore des choses à vous dire. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, les gars, dites-moi si vous voulez que je fasse une réaction en live, donc c'est-à-dire où il y a un youtubeur tel que Gonzalo, pour ceux qui le connaissent, je suis ses vidéos régulièrement. Donc lui fait souvent des réactions live lorsque les chapitres sont assez bien. Moi je me suis dit pourquoi pas. D'ailleurs allez voir sa chaîne, c'est franchement un très bon youtubeur. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il fait du bon boulot, il fait délire. Puis voilà. Donc une réaction en live. Donc comment ça, c'est-à-dire les deux scans. Voilà, je suis en live, je les regarde et tout. Avec mes réactions en live, vous pourrez m'apercevoir découvrant les chapitres. Ou alors je lis bien les chapitres, etc. Puis je fais une vidéo par la suite pour détailler, etc. Bien construire, etc. La vidéo. A vous de choisir. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des reviews One Piece. Donc, vu que les vidéos sur ma chaîne vont s'arrêter un petit peu après la fin de Naruto, puisque j'ai pas fini One Piece. Hein. Vraiment que je scrute vraiment tous les petits endroits. Et pour pas vous mentir, One Piece, pour l'instant, j'ai arrêté il y a... J'ai arrêté, ça doit faire 3-4 semaines, j'ai arrêté de regarder. Hop, ouais, ça fait 3-4 semaines, j'ai arrêté de regarder, c'est... je sais pas, peut-être que je vais m'y remettre, enfin... Dans tous les cas, si... voilà, si vous avez... Il y a des retours positifs, bien sûr que je vais y mettre. Dites-moi surtout dans les commentaires le manga que vous voulez, parce que là, il y a encore le choix. Dites-moi le manga que vous voulez, je le fais. Et le manga qui reçoit... Voilà, il y a plus de demandes sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je le fais direct. Voilà, sans souci, sans problème, je vous le ferai. Mais franchement, les gars, là, la vidéo... elle va bientôt se terminer. Dès qu'elle se termine, s'il vous plaît, vous partez dans la barre des commentaires, vous me dites quel manga, surtout ça. Voilà, vous me donnez votre avis sur la suite, et vous mettez à la fin, s'il vous plaît, le manga sur lequel vous voulez que je continue. Voilà, après c'est à vous de décider, hein. Donc voilà, j'espère que vous allez faire cela. Ensuite, autre truc, franchement, voilà, j'ai pas d'ordinateur. Enfin, là j'ai un ordinateur, mais c'est vraiment rare que je l'ai. Franchement, vous avez de la chance. Donc j'espère que pour mercredi j'aurai l'ordinateur, franchement, parce que sinon c'est impossible pour moi de réaliser la review. Donc c'est pour cela que, donc là derrière, il y a ma Play 4, vous voyez, donc c'est mon petit frère qui joue à Black Light Retribution. Donc je vais acheter Advanced Warfare,
lundi, je vais avoir lundi en Day Zero. Pour ceux qui connaissent un petit peu Call of Duty, voilà, je vais avoir ce jeu. Et sur la Play, je peux rec en fait des gameplays, vous le postez directement sur YouTube. Alors si vous voulez que je vous poste des gameplays d'Advanced Warfare, mais par exemple je réalise mes reviews de Naruto par-dessus, dites-moi si ça vous plaît ou pas en fond d'avoir un gameplay de Call of Duty à Advanced Warfare. Voilà, ça peut être intéressant, et pour moi c'est beaucoup plus pratique pour réaliser mes vidéos. Après c'est à vous de voir. Donc là je pense vraiment à Storm 4, imaginez-vous si je peux réaliser des gameplays, les recs directement sur YouTube, directement, vous allez avoir du Storm 4 à don qui sort sur Next Gen, voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas de liker, de partager, faites ce que vous voulez. Je vous remercie mille fois les abonnés, voilà. A plus, n'oubliez pas de dire en commentaire le manga que vous voulez que je réalise par la suite. Allez, à plus les gens.